Alors, comme à l'habitude, on a certains citoyens qui ont posé des actes qui doivent être soulignés ce soir. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Notre premier invité est un individu qui se distingue par un bénévolat intense depuis plusieurs décennies, ce qui ajoute une plus-value aux forces vives à Saguenay. Il consacre ses efforts à l'arrondissement de Chicoutimi où, entre autres, il travaille depuis 39 ans au comité de quartier Amel Gobeil-Fradette, dont cette année comme président et trésorier. Dans le passé, mentionnons qu'il a siégé 15 ans au conseil d'administration du Carnaval Souvenir et agit comme amuseur public pour cette organisation. Il a également siégé au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Chicoutimi pendant 5 ans, ainsi que comme président du conseil d'établissement de l'école L'Oasis durant 13 ans. Voici donc M. Guy Dufour. Alors, comme c'est l'habitude, M. le maire invitera M. Dufour ainsi que les autres personnes reconnues ce soir à signer le livre d'or de la municipalité. Ils se verront également remettre un certificat mention d'honneur, hommage et en souvenir de la ville de Saguenay. Bravo, M. Dufour. Notre deuxième invité a obtenu une mention d'honneur du gouverneur général du Canada pour un acte de bravoure à la suite du sauvetage de 8 personnes le 24 juin dernier, après que ces derniers eurent coulé avec leur ponton dans le lac des Canaux à Pipmoacan sur les Monts-Valin. Après avoir entendu les cris des personnes en détresse, M. de Champlain a rapidement franchi avec son bateau les quelques centaines de mètres qu'il séparait du groupe et les a immédiatement toutes rescapées. Voici donc M. Denis de Champlain. Donc, à noter que cette fois-ci, M. le maire procédera à deux remises, soit celle de la mention d'honneur du gouverneur général du Canada, ainsi qu'un certificat reconnaissance de la ville de Saguenay. Policier depuis 28 ans pour la ville de Saguenay, il a passé 9 mois à Haïti en 2009 et 2010 afin de protéger la population de l'endroit et de donner la formation aux policiers du pays dans le but de contrer la violence et le crime. Le 12 janvier 2010, dans les minutes suivant le fameux tremblement de terre, M. Fraser s'est rendu à une maison près d'où il se trouvait. Lui et un collègue ont alors sorti des décombres une mère de famille, un bébé et un garçon de 7 ans. Ce geste de bravoure a été officiellement reconnu le 10 janvier dernier, alors que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, M. Bob Paulson, et le ministre fédéral de la Santé publique, l'honoral Vic Toews, lui ont remis la citation du commissaire pour bravoure. Cet honneur s'adresse à quiconque ayant fait preuve d'un courage exceptionnel dans des circonstances extrêmement dangereuses ou explosives que les policiers ne rencontrent pas tous les jours et qui présentent une menace immédiate de blessures graves ou mortelles. Voici donc M. Bertrand Fraser.
Alors, je demanderais d'adopter l'ordre du jour en enlevant le 4.8. Alors, M. Fortin et M. Dor. D'abord, on a le procès-verbal de la dernière assemblée, celui du 4 février. Alors, pas de changement, M. Simard et M. Laforêt. Dans les commissions permanentes, il y en a quatre. Il y a une commission de l'aménagement du territoire, du génie, de l'urbanisme du 29 octobre, une autre de l'aménagement du territoire, génie, de l'urbanisme du 26 novembre, le comité consultatif d'urbanisme du 28 janvier dernier et le comité consultatif d'urbanisme du 26 février dernier. Madame Gauthier et M. Bouchard. On est maintenant dans les avis de motion. Alors, on a un premier avis de motion, c'est concernant le schéma d'aménagement. Alors, c'est un quartier résidentiel et commercial à Kénougami qu'on est après réorganiser. Alors, Monsieur Claude Tremblay donne l'avis de motion et propose, Monsieur Provencher second. Les trois suivants. D'abord, il y a un projet de règlement pour modifier le règlement d'urbanisme. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige des dispositions du plan. Alors dans ces trois-là, on apporte des modifications. Je vous l'ai dit à toutes les assemblées, je le répète encore une fois, on ne se gêne pas pour apporter des corrections, pour les adapter aux besoins de nos citoyens. Alors on en a trois. Alors l'un, ce sont les exigences réglementaires, l'autre, c'est le plan d'urbanisme, et l'autre, c'est une zone à risque. Mais concernant la zone à risque de décrochement des parois rocheuses, étant donné qu'on faut faire une consultation publique, s'il y a dans la salle des citoyens qui sont intéressés à venir poser des questions, ils peuvent venir avant qu'on l'adopte. S'il n'y a personne, on va l'adopter tout de suite. Alors, ces trois-là, c'est M. Bouchard et M. Simard. On a un projet de règlement qui concerne l'adoption de revitalisation de certains secteurs de Saguenay. Alors, quand on a de la revitalisation, le montant maximum est à 100 000, il est ramené à 57 500 par projet. Proposé par Mme Godreau, appuyé par M. Cléry. Ensuite, on a un projet de règlement concernant le programme de revitalisation pour les centres d'affaires de Port-Alfred. Alors, il y a tout un centre, là, tout un périmètre. Il va y avoir des subventions jusqu'à concurrence de 5 000 $ par loyer. Madame Gauthier, M. Simard. On a un projet de règlement pour modifier les règlements concernant les animaux. Ici, on met des règles concernant les parcs à chiens. Parce qu'il va en avoir de plus en plus, c'est populaire, mais il va y avoir des règles à suivre. Alors, ce projet-là est proposé par M. Patterson et M. Tremblay. On annule 4.8, on tombe à 4.9. C'est un projet de règlement pour décréter un emprunt de 1 million pour le programme de revitalisation. Alors, c'est des subventions pour la revitalisation, M. Fortin et M. Blackburn. On a aussi le projet de règlement pour l'emprunt de 500 000 $ pour le programme de revitalisation du centre d'affaires traditionnel de Port-Alfred, Mme Gauthier et M. Boivin. Bon, maintenant, 5.1 à 5.9, là. On va avoir ça, là, ce sont tous des modifications au règlement d'urbanisme. Je vais vous les passer, là. Il y en a un, on modifie le règlement d'urbanisme à chaque fois. Alors, il y en a un qui c'est la concordance du plan d'urbanisme. C'est tous des règlements de zonage visant à modifier les règlements pour les adapter à nos citoyens. Il y en a un que… Alors, ici, ce qui est le plus important, c'est le 5.7. C'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ils appellent ça PIIA. Lui, il est harmonisé dans toute la ville. Alors, c'est une étape importante dans notre plan d'aménagement. Alors, tout ça, c'est des corrections. M. Bouchard et M. Dufour. S'il y a une consultation publique, alors on va revenir. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, ils ont le droit. Alors, s'il y a des gens qui veulent poser des questions là-dessus. OK.
Monsieur Tremblay, c'est-à-dire, on a un règlement maintenant pour modifier le règlement relatif à la paix et au bon ordre. Ici, c'est les freins moteurs. Les freins moteurs, ce qu'on appelle des freins Jacob. Là, dans certaines rues, ça va être interdit dans la ville. Monsieur Claude Tremblay, vous le proposez, et Monsieur Dufour, seconde. On a maintenant les tarifs pour l'utilisation du quai d'escale des navires de croisière, alors le quai de Bagotville pour l'année 2013. Madame Gauthier et Monsieur Provencher. On a un règlement pour décréter des travaux, mais pour, c'est-à-dire pour faire des emprunts. Alors ici, ce qui arrive, c'est qu'on avait plusieurs dossiers où on a dépensé moins que prévu. Ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris tous ces règlements-là où on avait dépensé moins que prévu et on affecte cet argent-là à d'autres travaux pour ne pas avoir à faire un règlement additionnel. Alors, on avait 2 225 000 au début, et puis les soldes disponibles sont de 1 701 000, puis c'est 525 qu'on affecte à d'autres projets. Alors, Monsieur Cléry et Monsieur Dahl. Le ministère des Finances, maintenant, on a maintenant l'adjudication d'une émission d'obligation de 19 717 000 à 3,15233%. Monsieur Provencher, Monsieur Tremblay, de 6,2 à 6,5. Ça, c'est des modifications pour s'assurer qu'on respecte le plan d'immobilisation. Alors, c'est des modifications de travaux. Alors, on en a 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Toutes des petites modifications, mais quand même. Monsieur Quentin et Monsieur Dor. 6-7, on a le rapport d'activité de la trésorière pour 2012. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, approuvé par Mme Gaudreau. On a le dépôt des contrats conclus pour la période du 4 janvier au 31 janvier 2013. Alors, c'est M. Cléry et M. Jean. On a la création d'une commission pour tenir une assemblée publique pour le règlement... pour le règlement adoptant le schéma d'aménagement et de développement revitalisé de remplacement de la ville de Saguenay. Ici, on a pensé nommer la commission d'aménagement et de génie, tout simplement. C'est eux qui sont les mieux placés, M. Quentin et Mme Gauthier. Et ça, c'est le maire qui a le privilège de nommer le président, alors je nomme M. Georges Bouchard comme président de la commission. L'Association des infirmières en oncologie, ils vont avoir une journée spéciale, puis ils veulent qu'on la proclame. Alors, Journée des soins infirmiers en oncologie du Canada, le 2 avril 2013. Alors, M. Laforêt et M. Dufault. Alors, on a maintenant complété. Alors, on va procéder à la période de questions. Bonjour, Monsieur le maire. Claude Girard de Chicoutimi. Bonjour, monsieur. Au mois de janvier 2012, je vous ai fait parvenir une lettre pour vous faire part de la détérioration du monument de Mgr Eugène Lapointe, qui était le fondateur du syndicalisme québécois. Je vous ai réécrit il y a à peu près un mois pour vous faire part que je n'avais toujours pas eu de réponse, et je viens aujourd'hui pour savoir si vous avez une réponse à me formuler. Je m'excuse, mais il est où ce monument-là? Pardon? À Pulperie? Oui. Oui. Ah oui, vas-y. La lettre, M. Girard, c'est M. Girard, c'est ça? Nous a été confiée à la Pulperie. Il y a des estimés qui ont été faits. On connaît le dossier. Là. Il y a des choses à réparer. Vous avez raison. Là. Il va falloir le réparer. On est estimé probablement qu'au printemps ou cet été, on devrait procéder. C'est certain qu'il faut qu'on le fasse en collaboration avec l'artiste. Ce n'est pas simple. Mais normalement, ça devrait se faire. Merci. Fait que je comprends qu'au printemps, là, ça va se faire. Regardez, ça peut être. Je dis au printemps, peut-être au cours de l'été, là, on va se donner le temps de se tourner de bord, le temps que ça dégèle. Après un an, hein? Oui, mais ça prend l'argent, il faut faire des estimés. C'est pas simple. C'est une œuvre d'art, là. À une assemblée, je suis venu il y a à peu près 2-3 mois, M. le maire, vous aviez répondu que à toutes les fois que quelqu'un vous écrivait, vous répondiez par écrit ou vous faisiez un accusé de réception. Je n'ai jamais reçu d'accusé de réception. Mais c'est bien. Allez vous asseoir, là. Mais si j'ai dit ça, là, allez vous asseoir, je vais répondre.
Je ne peux pas dire que je réponds personnellement à toutes les lettres que je reçois. Les lettres que je reçois, celles que je dois lire, me sont dirigées. Il y en a d'autres qui sont dirigées ailleurs. Puis je n'ai jamais dit que je répondais à toutes les lettres moi-même. Je n'ai jamais dit ça. Puis ce n'est pas non plus parce qu'une personne demande de corriger un monument qu'on est obligé de le corriger la semaine qui suit. On n'est même pas obligé de le réparer. Alors, il ne faut pas penser, parce qu'on a envoyé une lettre l'année dernière pour réparer un monument, que la Ville a l'obligation de réparer le monument immédiatement. Non, la Ville le regarde, elle peut décider de ne pas le réparer pantoute. Elle peut décider de le réparer. Elle peut décider de le réparer plus tard. Alors, dans votre cas, il semblerait que vous aviez raison, mais ça va être réparé en temps et lieu, puis il y a l'artiste. Alors, vous n'avez pas besoin de le prendre négativement, là. Prenez pas ça négativement. C'est normal. Oui, bonjour, madame. Oui, bonsoir. Ma question, moi, c'est Lorraine Bolduc. Ma question est, quelles sont les retombées des bateaux de croisière à Ville-de-la-Baie? Là, bien, c'est madame va poser la question. Là. Oui. Ouais. Des retombées, bien, d'abord, regarde, il y a eu, c'est facile de comprendre, il y a eu 100 000 passagers. OK? 100 000 passagers, déjà. 100 000 passagers qui ont dépensé 100 $ au minimum chaque. Alors, 100 000 fois 100 $ ça fait pas mal d'argent. Là. On est rendu à 10 millions. 10 millions de dollars qui ont été dépensés. Déjà, là, ça vient de commencer, puis on aurait 10 millions de dépensés. Ensuite de ça, ça ne comprend pas les droits de... Quand le bateau arrive, le bateau, lui, il faut qu'il paye suivant le nombre de passagers qu'il y a dans le bateau. C'est 10,50 $ par passager que le bateau paye. Il faut qu'il paye, lui, pour être là. Alors, 10,50 $ en plus par passager, puis ça ne comprend pas les membres d'équipage. Alors, déjà, là, on voit que c'est déjà l'investissement de la Ville, là. Quand tu dis 10 millions déjà, là, 100 millions, c'est facile à voir. Puis, je vais vous faire une petite confidence, là. Vous savez qu'en 2013, là, c'est pas mal terminé, OK? On a 22 000 passagers d'inscrits. C'est pas mal terminé, 22 000 passagers, ça veut dire ça 25 navires. Mais en 2014, on a déjà, là c'est pas fini 2014, on va s'en inscrire encore, 27 navires d'inscrits déjà et 33 000 passagers en 2014. Alors là, vous voyez tout de suite la progression là, qui est phénoménale. Alors, je vous remercie. Robert Morissette. Bonjour, monsieur. Vous voir. Monsieur le maire, j'ai discuté avec certaines personnes concernant l'aménagement de la rue Racine et de l'hôtel de ville. Je n'ai pas eu de développement depuis ce temps-là, mais où est-ce qu'on est rendu avec ça, s'il vous plaît? Êtes-vous capable de me donner des renseignements? Oui, c'est un dossier que je suis de près. D'abord, vous avez probablement constaté que l'année dernière, on a fait une partie de la rue Racine, là, toute la partie là, qui, avec l'escalier, cette partie-là. Il nous reste une bâtisse à défaire. Bon. Mais la partie, là, on voulait préparer le terrain. La partie la plus importante, c'est entre la bibliothèque et l'hôtel de ville. On commence très tôt au printemps, aussitôt que la terre est dégelée. Ça, on voit que ça dégèle rapidement cette année. Puis, on va mettre 7,5 millions. Ça va être, je vous le dis là, préparez-vous, ça va être une place extraordinaire. On va avoir une place dans la ville. Toutes les villes ont une place importante, mais ici, la ville est très étendue. Jonquière, Chicoutimi, Labbaye, on voit que ça se détache un peu, là, parce que c'est gros. Alors, il va en avoir une à Jonquière qui va suivre. Mais celle-là de Chicoutimi, cet été, là, je ne sais pas si vous avez vu les maquettes, mais c'est de toute beauté. Il y a la passerelle qui, elle, va se faire dans l'année suivante. Mais cette année, on finit ça, un pavé extraordinaire, une bâtisse avec l'écran. Là, la bâtisse, il n'y aura pas de mur, ça va être comme des rideaux. Là. Et puis, il va y avoir des arbres, il va y avoir des fontaines, il va y avoir des bancs. Alors, ça va être la place là, du citoyen à Saguenay. Et ça, on espère que les travaux vont être complétés. Moi, alors, je veux tout fermer, tous ces dossiers-là, avant l'élection, là, pour qu'on puisse partir en neuf après, puis dire on part avec des nouveaux projets, puis c'est terminé. Merci. Merci.
Oui, Yvon Gobeil, arrondissement Chicoutimi. Alors, voici comme citoyen, mais aussi comme contribuable. Je suis préoccupé du développement économique et la semaine passée, on annonçait le début des travaux pour le tracé de la ligne ferroviaire qui va amener le train jusqu'au port de Grand-Anse. C'est très clair que ce port, je pense en tout cas personnellement que c'est un très bon investissement que Ville de Saguenay ont décidé de faire en amenant le train là-bas. Et je suis de ceux, M. le maire, qui croient que l'existence même du port de mer est intimement liée à la voie ferrée. Il n'y aura pas probablement d'avenir si le train ne s'installe pas. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement un petit peu là, de ce tracé ferroviaire, parce que c'est des gros investissements, puis un petit peu également ce que ça va amener comme retombée au port de Grand-Anse? Merci. Merci. D'abord, le port de Grand-Anse, le train qu'on amène là, c'est le début d'un gros chantier. D'abord, c'est 37 millions de dollars. 37 millions, c'est de l'argent. Puis vous savez qu'on a obtenu là, 2/3 de cet argent-là par les gouvernements, puis la ville en a mis 6, puis tout le reste a été mis par tout le monde, le port, tout le monde. Bon. Là, ce port-là va ouvrir, parce qu'ils nous disent tout, à toutes les fois que je sollicite une entreprise, que Promotion sollicite une entreprise, une grosse entreprise, oui, mais vous n'avez pas de port. Je vais vous le dire, ça fait village. Un port, c'est-à-dire vous n'avez pas de train. Ça fait village. C'est sûr qu'il y a des petites villes qui ont des ports. Tu sais, à Saint-Trô-du-Nord, il n'y a pas de train, il n'y aura pas, probablement. Mais il ne s'est pas appelé à faire des grands développements. Alors, si on veut dire, on prétend qu'on est une grande ville, qu'on est équipé, qu'on est capable de se comparer avec n'importe quelle grande ville pour notre développement industriel, ça prend un train. Il n'y a pas de grandes villes qui n'ont pas de train pour aller au port. Ces marchandises-là voyagent par train. Alors là, on met 37 millions, c'est de l'argent là, pour faire le train pour se rendre au port. On a déjà des entreprises comme BlackRock qui ont annoncé leur intérêt et qui ont dit « s'il y a un train, ça nous intéresse ». Puis BlackRock, c'est gros. Alors, la façon qu'on l'envisage là, c'est au moins une centaine d'emplois, beaucoup de revenus qui vont suivre tout ça. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à prendre. La gare intermodale, ceux qui sont allés au port il n'y a pas si longtemps, vous avez peut-être constaté qu'il y a un plateau qui est préparé pour les industries. Vous savez, il y a des industries qui font du bruit, qui dérangent. Mais n'oubliez pas que ce port-là, il est en plein milieu de la ville, puis la maison la plus proche est à 7 km. Tu ne déranges personne. Ça n'existe pas, ça, quasiment dans le monde. Quand tu dis que tu es dans le milieu d'une ville, la maison la plus proche est à 7 km. Donc, tu ne déranges rien, puis c'est très invitant pour des entreprises, mais il manque le train. Par la suite, il y a d'autres choses qui vont suivre, mais on s'est assuré dans notre façon d'acheter des terrains, la bande qu'on a avec le train, pour avoir suffisamment d'espace pour les services électriques et le gaz naturel, qui ne seront pas là dans le 37 millions. Mais quand on va arriver, on va dire, il y a une industrie, ça prend le gaz naturel, le terrain pour t'emmener, on l'a. C'est toujours un problème, l'environnement, le terrain, acheter ça, c'est tout acheté, c'est fait, ça. Alors, on est content, puis on a eu une petite frousse un peu parce qu'on s'est dit, est-ce que, vous savez qu'il y a eu comme un blocage de l'autoroute Alma-Labbé, on s'est dit, c'est-tu notre tour, ils vont-tu nous bloquer ça? Mais non, effectivement, Jean-Marie Tlaveau, j'ai travaillé avec lui beaucoup, puis il m'a dit, non, fais-moi confiance, puis on va y aller, puis non, c'est bleu, on va l'avoir, puis effectivement, on l'a eu, ça fait pas longtemps, ça fait pas plus que 2 semaines là, qu'on a eu le OK définitif. Alors, c'est bien parti. Alors, merci. Merci. Lucie Delaurier. Oui. Lucie Delaurier, 235 rue Blackburn, à Chicoutimi. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, ma question s'adressera à Monsieur le maire. Nous avons reçu chaque maison, chaque appartement, cette revue Horizon Industrie, qui est vraiment très belle. Toutefois, selon un imprimeur, que la conception de la revue coûte environ 2 000 $. Et ça, c'est sans compter le papier de luxe, un papier lustré, l'impression de quelques 100 000 copies sûrement, ainsi que la distribution par Poste Canada. Le contenu doit être nuancé.
Les entreprises qui y sont citées, entre autres Stas, Voltam, n'ont pas attendu Promotion Saguenay pour exister. Ce n'est pas des créatures de Promotion Saguenay, ni le Plan Nord d'ailleurs. Si Promotion Saguenay est un organisme de développement économique, où sont les nouveaux emplois créés par ces industries, ces entreprises? Ma question est celle-ci. Puisque Ville de Saguenay se targue d'avoir un mode de gestion, projet par projet, et qui permet de savoir exactement combien coûte chaque projet, monsieur le maire, serez-vous assez transparent pour dire aux citoyens, après avoir fouillé dans les factures de Promotion Saguenay, après avoir trouvé le coût, non pas de celle-ci, mais des trois de l'année 2012, le nombre réel d'emplois, vraiment réel, d'emplois nouveaux engendrés par Promotion Saguenay et de le faire savoir aux citoyens, soit à l'émission de Myriam Segal, à laquelle vous participez tous les mercredis matins, soit au prochain conseil de ville. Bon, quand vous dites ces gens-là n'ont pas attendu Promotion Saguenay pour exister, c'est à peu près vrai pour tout le monde. Sauf que, demandez à ces gens-là combien de fois ils sont venus dans mon bureau, combien de rencontres ils ont eu avec Promotion Saguenay, c'était bien mieux de travailler avec les entreprises existantes qui prennent de l'expansion. Mais allez voir Pierre Bouchard, demandez-y combien de fois il est venu dans mon bureau, voir le fun, dans une année. Pourquoi il vient dans mon bureau? Alors, regarde des projets, il y a toutes sortes de projets. Parlez de lui parce que vous venez de le citer. Voltam, allez voir Voltam, là, demandez-y si Promotion Saguenay, c'est un organisme qui lui a été utile. Parce que les entreprises qui sont là, ils ont besoin de prendre de l'expansion. Ils ont besoin d'obtenir de nouveaux contrats. Ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin de terrain. Ils ont besoin de tout. C'est là que Promotion Saguenay... Moi, je trouve beaucoup plus profitable de travailler avec une entreprise existante parce que c'est plus sûr. Oui, on en crée des nouvelles. Il y en a des nouvelles parce que le parc industriel grandit, il n'y a plus de place. Mais il reste une chose, c'est que c'est beaucoup plus profitable, c'est beaucoup plus sûr, sécurisant, une entreprise qui est là et qui veut grandir. Quand Rio Tinto a décidé de bâtir une nouvelle usine, bien, c'est mieux que si c'était un no-name qui n'a jamais travaillé dans le domaine de l'aluminium, qui était arrivé à Jonquière. On aurait dit, ouais, il ne connaît pas ça, il n'a jamais fait. Tandis que là, on a confiance. On se dit, Rio Tinto est là, Rio Tinto, c'en est un autre, les taxes, tout ça, on a négocié des choses avec eux autres. Avec des entreprises qui sont... Promotion de Saguenay, c'est l'outil de la ville pour les rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se parler? Regarde, le directeur de M. Jacques de Rio Tinto. Bon, M. Étienne Jacques. Il m'a dit encore cette semaine, il faut se parler. J'ai dit, on va aller déjeuner cette semaine. Bon, pourquoi qu'on se parle? Justement, parce que Promotion Saguenay, Rio Tinto, c'est toutes des choses, on travaille avec ces gens-là. Maintenant, je n'irai pas prétendre que tous les emplois créés à Rio Tinto, c'est Promotion Saguenay qui les a créés. Quand on facilite la vie à une entreprise, je n'irai pas dire, c'est Promotion Saguenay qui a tout créé ça. Il y en a qui font ça, là. Ils font des rapports. Il s'est créé dans la ville. Il doit en avoir qui se crée parce que la ville va bien. J'aurais dû apporter un article qui sort du gouvernement fédéral qui parle de Saguenay, la poussée qui n'arrête pas, là. Mais je ne dirais pas au monde, tout ça, ça dépend de Promotion Saguenay, puis si Promotion Saguenay n'existait pas, tout ça, ça n'existerait pas. C'est pas vrai, c'est pas ça. On a chacun notre rôle à jouer. Les membres du conseil municipal, quand c'est dans leur quartier particulièrement, tous ont un rôle à jouer. Promotion Saguenay a un rôle à jouer, le gouvernement du Québec a un rôle à jouer. C'est quand tout le monde est en harmonie, puis ce qui est fin à Saguenay, c'est que depuis la fusion, c'est ça qui a été le plus fort, c'est qu'on a créé l'harmonie. On s'est organisé pour que tout ce monde-là travaille ensemble. Regardez, le CLD, Promotion Saguenay, la MRC, le conseil municipal et tous les organismes de la ville, il n'y a plus de chicane. On travaille ensemble, on se donne la main, on est toujours ensemble. Puis le conseil est content de cette harmonie-là. Le conseil donne toujours des mandats pour que ça soit harmonieux. Et ça donne les résultats qu'on a. Regardez le développement économique qu'on connaît actuellement.
Bien, tout le monde le reconnaît, là, ça va très bien partout. Mais si vous me dites, tous ces emplois-là, là, ça vient tout de Promotion Saguenay? Non, ça vient pas tout de Promotion Saguenay. Puis si Promotion Saguenay n'existait pas, il se créerait des emplois. Mais je suis persuadé que ça irait beaucoup, beaucoup moins bien. Ils servent de catalyseur à Promotion Saguenay. Ils viennent nous voir, ils sont contents de voir le maire qui est président de Promotion Saguenay qui va servir, parce que le président du CLD, c'est Fabien Vington. Bien, vous voyez l'harmonie qui est tout de suite. Le directeur général de Promotion Saguenay, c'est Ghislain Hervé. Tout ça, ça s'harmonise d'une façon extraordinaire et ça donne des résultats. On se donne la main et on dit, ce projet-là, on le veut, puis ça, on veut. Comme là, il faut se donner la main pour les parcs industriels. Hein, on s'est donné la main. On n'aurait pas normalement d'affaires dans le train. Ce n'est pas à la ville de construire un train. Le train, ce n'est pas une ville. La ville met 6 millions dans le train. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on ne le met pas, ça avancera pas assez, puis on leur a démontré que ça marche ensemble. Le port de Grand-Anse, là, puis la ville, c'est comme ça, là. Hein, on se voit tout le temps. C'est ça qui est harmonieux, puis c'est ça qui donne le résultat. Quand une affaire est harmonieuse, ça donne toujours de meilleurs résultats que quand on chicane. Prenez d'un conseil d'administration de compagnie, il n'y a jamais d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, hein, c'est tous des gens qui travaillent dans l'intérêt de l'entreprise, puis ça marche. Alors, c'est un peu la même chose. Monsieur le Président, vous avez le tour de noyer le poisson, de répondre en jésuite. C'est ce qu'on appelle une réponse de jésuite, parler pour ne rien dire. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. C'est pas une insulte, être un jésuite. Êtes-vous prêt à être transparent envers les citoyens de Saguenay pour leur dire combien ils ont payé de leur poche pour Horizon Industrie l'année dernière pour les trois revues? Ça, je ne sais pas, va par cœur. Et de dire combien il y a eu de nouveaux emplois dus à Promotion Saguenay. Alors, si vous n'avez pas compris ma réponse, sont presque écoulées. Merci, madame. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. J'ai droit à combien de questions? Pardon? J'ai droit à combien de questions? Normalement, une, mais s'il n'y a personne, ou s'il vient quelqu'un d'autre, ou... Okay. C'est ça. Le projet de Grand-Anse, vous avez parlé, puis je voyais dans le journal qu'il vous manquait une partie de l'argent. Il y avait une partie qui n'avait pas été donnée. Non, le projet de Grand-Anse, non. Il manque de l'argent, il ne manque pas d'argent. Non. Le projet du train? Le projet du train, oui. Non, on a tout trouvé l'argent. La deuxième question, voulez-vous l'entendre? Bien, vous reviendrez après quand il y en a trois derrière vous. Bonjour, mon nom est Serge Bellé. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, seriez-ce honnête pour dire à vos citoyens que vous avez donné un mandat à vos évaluateurs de Ville de Saguenay pour souffler les évaluations municipales pour pouvoir payer vos petites dépenses? Parce que toutes vos évaluations ont été soufflées, des municipales. C'est tous les citoyens pour toutes les petites promotions que vous faites, c'est tous les citoyens qui payent pour ça. Puis qu'à moyen terme, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la jeunesse de la ville qui va s'en aller de la région. C'est pas une question, ça. Bien, c'est une affirmation. En même temps, c'est la question que je vous pose. Êtes-vous assez honnête pour dire que vous avez donné un mandat à vos évaluateurs de ville pour augmenter les taxes? Vous voulez aller sur le côté de la spéculation? Bon, c'est votre question. Il y a des maisons qui se vendent en bas des prix d'évaluation présentement. C'est votre question, c'est ridicule. C'est ridicule? Oui, ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Bon, M. Tremblay, allez-y. Bonjour, Jacques Tremblay. C'est une question sur Promotion Saguenay. On sait qu'en novembre dernier, Promotion Saguenay est allée en appel d'offres pour la mise en place d'équipements pour la fourniture d'eau potable. Attends, je ne vous suis pas. Promotion Saguenay est allée en appel d'offres en novembre, fin octobre, début novembre, afin de mettre en place des équipements pour la vidange, pour la fourniture d'eau potable et la vidange des boues usées des bateaux de croisière au quai d'Escal. Oui. OK. Donc, ça, c'était un appel d'offres au niveau du service électronique d'appel d'offres. On sait que sur ce projet-là, Développement économique Canada mettait, ont mis des sommes d'argent, une certaine somme d'argent. Quand on va, quand Promotion Saguenay va en appel d'offres, c'est parce que le contrat est sujet à subvention. Et quand on arrive pour avoir les résultats, M. le maire, c'est toujours... On n'est jamais capable d'avoir les résultats de Promotion Saguenay
sur ce projet-là, entre autres, puis sur d'autres auparavant. Mais ça, c'est le dernier, ce monsieur, que Promotion Saguenay est allé en appel d'offres. Donc, on n'est pas capable d'avoir les résultats de ça. Il y a eu certainement un résultat sur les appels d'offres parce que c'était des équipements d'installation pour la fourniture d'eau et pour la vidange des eaux usées. Mais, je vais vous poser une question, là. Quand vous dites « je ne suis pas capable d'avoir les résultats », vous les avez demandé comment les résultats? À qui? Bien, moi, je vais vous dire, c'est bien facile. Dans un organisme qui est municipal, moi, je vais vous dire une affaire, je m'en vais à Service électronique d'appel d'offres du Québec, Ville de Saguenay, je marque l'organisme, monsieur le maire, puis vous avez tous les résultats avec les dates que je veux un an avant. Quand j'arrive Promotion Saguenay, on n'a jamais, jamais les résultats des appels d'offres avec les entrepreneurs. Puis ça, c'est vrai. Monsieur Tremblay. Oui. Demandez des résultats comme ceux-là, puis après vous reviendrez pour dire que vous n'avez pas eu. Vous ne m'avez jamais demandé. Mais ça, c'est facile à voir, ça. Pourquoi vous cacherez ça? Écoutez. Mais là, on ne fera pas une discussion, là. Non. Vous avez posé une question, je vous le dis, on va vous le donner. Pourquoi, ce serait quoi l'intérêt de cacher ça? Pourquoi qu'on cacherait ça? C'est pas toujours pareil. C'est toujours pareil voyons quand donc. On arrive avec un appel voyons d'offre. Voyons donc. Il n'y a pas plus transparent que Promotion Saguenay. Ils vont devenir invisibles. Bonne soirée. Là, c'est ridicule, là. Hey, on dit toi. Moi, je fais juste ça dans de l'information, j'ai plus le temps de travailler. Oui. Allez-y, madame. Delaurier. Allez-y. Pour moi, la langue française est importante autant à l'oral qu'à l'écrit. Et sur le site de la ville, il y a beaucoup de fautes de français, d'orthographe, de syntaxe. Madame, je vais répondre tout de suite à ça. Laissez-moi finir, monsieur le maire, monsieur le président, s'il vous plaît. OK. Je vais finir, puis vous aurez la parole ensuite, comme d'habitude. J'ai écrit au webmestre de la ville, quelques jours avant le conseil de ville, d'octobre, en indiquant où étaient les fautes. Et je n'ai pas reçu non plus d'accusé de réception, ni aucune nouvelle. Et pour voir, hier, je suis allée voir, et les fautes sont encore les mêmes. Sur votre page à vous, dans la page « Écrire au maire », où c'est écrit « Les champs jaunes et qui ont une étoile sont obligatoires. » Les champs jaunes, pas de S à jaune, et pas de S à obligatoire. Et ailleurs, sur le site où est la partie générale, là, vous pouvez la contacter, EZ. Alors, je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable d'écrire en bon français à Saguenay. Merci, madame. Je vais vous dire que... Allez-y, je vais répondre. Non, je peux rester là, monsieur le président. Non, parce que vous voulez reparler, bien, je ne répondrai pas d'abord. On va prendre d'autres, monsieur. Je vais vous dire que c'est très bien. Allez-y. Monsieur le président, je vais y corriger, faute. Dans le règlement, il est écrit, la personne doit retourner à son siège si la question est jugée irrecevable ou si elle a déjà reçu réponse à sa question. Mais c'est parce que vous allez entamer une discussion, c'est pour ça. Pas du tout, je vous écoute. Bien, écoutez-moi, là. C'est ce que je fais. J'ai fait 16 000 contrats dans ma vie, je sais écrire le français. Puis, j'ai eu des commentaires comme le vôtre, mais il y a des gens qui partent des sites qui se prétendent à la ville. Ça fait quelques-uns qu'on arrête. Ils prétendent que ce sont des informations de la ville. Maintenant, ça se peut qu'il y ait des fautes, mais je le regarde régulièrement, le site, puis je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de fautes. Ça se peut ce que vous dites. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de fautes. Je vous promets que demain, je vais revérifier ça, puis je vais en parler. Mais c'est Suzanne Larouche qui corrige les fautes. Puis je vais vous dire, je m'ostine avec, puis elle a quasiment toujours raison des fois sur une faute, parce que ça, des fois, il va y avoir une faute. Mais les fautes dont vous venez de mentionner sont très sérieuses. Mais on va faire attention. On va faire attention. C'est tout, c'est beau. Je vous l'ai dit, on va faire attention. Parce que le webmestre ne m'a même pas accusé réception de mon courriel. Monsieur le maire. Oui. Gilles Bodvin. Alors, vous avez parlé de la desserte ferroviaire tout à l'heure. Oui. Est-ce que le convoyeur que vous allez être obligé d'installer fait partie des dépenses dont vous avez fait allusion tout à l'heure? Non. Ça va coûter combien à peu près pour le convoyeur? Ah, il y a toutes sortes de convoyeurs. Pardon? Il y a toutes sortes de convoyeurs. Mais avez-vous une idée de... Non, ça dépend. Le convoyeur, il va servir à quoi? Mais c'est l'entreprise qui va le payer. Mais on n'est pas rendu là. Pour le moment, il n'a pas de convoyeur. Il n'a pas besoin pour le moment. Quelle sera la longueur de ce convoyeur? Je ne sais pas. On n'a pas de convoyeur. On n'aura pas de suite. On n'a pas besoin pour le moment. Bonsoir. Marcel Lapointe.
Oui, monsieur le maire, je voudrais vous entendre sur le déficit actuariel des employés de la ville. J'ai pas fini. Je vais vous donner des petites pistes. En 2011, semble-t-il, il y a un déficit de 122 millions. Vous me corrigerez si je me trompe. En 2012, on est en 2013, mais en 2012, on ne sait pas. Bien, vous donnez la réponse à ma question? On ne sait pas. Je vais finir mon intervention. Alors, vous donnez la réponse. J'aurais plus besoin de parler. En 2012, il n'y a pas de chiffres encore. Ils n'ont pas sorti. Comment vous entendez gérer ou comment vous. Qu'est-ce que vous, vous voulez faire avec la gestion d'un tel déficit? Le déficit de la caisse de retraite est très élevé dans toutes les villes du Québec. Non, je réponds là. Non, non. Alors, là, c'est vous qui répondez. Répondez, là. Non, je continue. Je n'ai pas fini. Moi, je n'aime pas ça, par exemple. Je vous laisse parler. Laissez-moi répondre. Alors, si vous n'avez pas fini, venez. Vous avez le droit d'une question plus longue. Alors, le déficit dans toutes les villes, puis pas seulement dans toutes les villes, à Rio Tinto, partout. Alors, c'est un problème majeur. On a négocié avec nos syndicats. Actuellement, on en a deux de réglés et on est après négocié avec les autres. Une négociation, c'est une négociation. Je ne donnerai pas de détails ce soir. On est après négocié avec nos syndicats. Et puis, c'est sûr que pour eux autres, ce n'est pas facile, mais pour nous autres non plus. Mais je pense qu'ils doivent comprendre la situation. Mais je ne donnerai pas plus de détails. On est après négocié actuellement. Monsieur Beaulieu. Monsieur le maire, pour une deuxième question. Ville de Saguenay a racheté pour les Jeux du Québec 73 000 boîtes de chocolat. Êtes-vous capable de donner des informations dans ça? Je ne suis pas au courant de ça. Là, je ne vois pas jusque dans ces détails-là. Les Jeux du Québec sont après. C'est passé, ils vont faire un rapport après. Ils ne me disent pas tous les jours, hey, on achète ça. 60 000. Vous devez vous donner une réponse pareille? Non, mais là. Fouillez dans le chocolat. Je ne le sais pas. Honnêtement, là, s'ils ont acheté du chocolat, je ne le sais pas. C'est pour vendre? Ah, c'est pour vendre, ça se peut. Mais je ne vous le confirme pas, je ne le sais pas. 73 000. Mais là, vous sortez ça d'où, là? Ça se peut. Je ne sais pas. Écoutez, je ne suis pas. Il faut comprendre que j'ai été présent là, dans ça, mais je ne suis pas tous les achats qu'ils font. S'ils ont acheté tout ce qu'ils achètent, je ne sais pas. De savoir quelle manière ça a été distribué. Oui. Quand si vous avez une bonne plume, vous m'écrirez. C'est pour les vendre. C'est pas mauvais. Bon, l'autre question, je peux vous la passer? Non, mais là, passez, monsieur, vous reviendrez. Très bien. Oui, c'est encore pour M. le maire. La question est de savoir si vous seriez capable de prendre une journée pour vous promener dans les routes de Ville de Saguenay. Avant de faire un train, ce ne serait pas bon de mettre de l'asphalte dans les routes. Question pour vous, savoir si vous seriez capable d'aller vous promener dans les rues de Ville de Saguenay. Oui, alors on en met. Encore un autre dossier qui ne peut pas me répondre. Mais là, je pense qu'on en met beaucoup dans les rues. On en met. Monsieur le maire, ça prend de tout. Ça prend des parcs industriels, ça prend des rues, ça prend des trottoirs, ça prend des équipements de loisirs, ça prend des équipements culturels. On peut toujours dire qu'on n'aurait pas eu besoin du théâtre Banque nationale, on aurait dû mettre de l'asphalte. On n'aurait pas eu besoin de faire place du citoyen, on aurait dû mettre de l'asphalte. Il n'y a pas juste de l'asphalte. Puis la ville, là, c'est sûr qu'elle ne sera pas belle dans les prochaines semaines, mais dès qu'arrive le mois de juin, juillet, tout le monde est content. Tout le monde se promène partout puis tout le monde est content. Mais ça prend, c'est sûr que le gel puis le dégel, aussi, il y a des caractéristiques. Hein? Quand ça gèle plus profondément qu'à Montréal ou à Sherbrooke, on regardait ça. Et s'il y a un jeu, sauf que l'état des routes ici, allez faire un tour à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau, puis vous allez trouver qu'on a des belles routes. Oui, M. Beaulieu. L'an passé, M. le maire, vous parlez du rang Saint-Joseph, qui avait beaucoup de trous, puis vous m'avez dit que vous en preniez bonne note. 15 jours après, c'était arrangé. Ça fait que je vous remercie. Puis là, ben, on a les mêmes problèmes encore. J'ai demandé à M. Fortin, la semaine passée, qu'il mette des poteaux rouges. Ça n'a pas été écouté bien. On va regarder ça. Puis là, il y a un trou, M. le maire, qui date de 1997. Ça fait 4 termes, cela, là. M. Fortin, il n'a pas regardé ça encore. Est-ce que ça va être réparé cette année? Merci. Alors, l'Assemblée...